Paul se bat courageusement et moi je rentre à Paris. Les dernières nouvelles sont à peu près identiques à celles d'hier, c'est-à-dire que les Ukrainiens se battent parfaitement bien et tiennent encore quelques quartiers de Mariupol. Je pense que les Russes vont avoir du souci à se faire pour arriver à les déloger des deux endroits où ils sont encore retranchés. Ceci est une autre affaire. Pour l'anecdote, je suis dans un wagon de première essentiellement habité par des seniors, dont je fais partie bien sûr, c'est comme ça. On peut pas avoir atteint un certain âge sans rentrer dans une catégorie déjà très avancée. Ainsi va la vie. Bon, je continue mon petit voyage tranquille, en essayant de passer le temps par la lecture. La lecture d'un livre « Nouvelles histoires extraordinaires de la Résistance », un livre de Dominique Lormier.